Et c'est donc le dernier épisode du Let's Play de God of War. On vient de rentrer à Jotunheim. Et on y va. Des choses avec toi. Revenez vite. D'accord? Inutile de t'exciter, la chèvre. Comme je disais, j'ai à la fois hâte et pas hâte de le terminer, je vous l'avoue. Mais bon, il faut bien. Il faut bien, il faut bien, il faut bien. Hein. Allez, on s'approche. Allez. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qui s'est lancé en même temps, génial. Allez, vas-y. C'est tellement stylé. Merci Fleur de ton resub, toujours aussi mérité. Oh, merci beaucoup. C'est ton cinquième mois. Merci beaucoup à toi. C'est super gentil. J'ai mon trépied qui comme il pue le décor. Je vais bouger. Voilà, c'est bon. Je viens de l'utiliser donc pour une vidéo. Allez, voilà, on y est, au monde des géants. Regarde, on est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est juste pas devant. Mike. Bienvenue. Je le vois. Pour ce dernier épisode. On a réussi. Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Attends, il fait sa rédemption. Laisse-le 2 minutes. Atreus. Je ne l'ai jamais vu de moi-même cette fin, on me l'a spoilé. Je connais la fin, mais je ne l'ai jamais vécu. Et je ne l'ai jamais regardé vraiment. Donc regardez-moi ça, quoi. Allez. Quoique, on m'avait donné une fin, mais on m'a dit ouais, mais il y a une autre fin. Il y a une vraie fin et une fausse fin. On sait que j'aurais entendu des voix. Je sais pas du tout combien de temps il dure, enfin combien de temps il nous reste exactement là. On verra. Eh oh, y a quelqu'un? Ne spoilez rien s'il vous plaît dans les commentaires, s'il vous plaît du chat. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard. Là, les par derniers contre, des ça me fascine. Odin et Thor, les rois de la destruction. Cette ambiance. Qui est ce gardien? Non mais s'il te plaît, regarde les détails, c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait quand même. Imagine le temps que ça a dû leur prendre pour tout faire. Il y a des mecs qui ont bossé derrière ça. Où sont-ils maintenant? Les géants sont rentrés chez eux pour survivre. Mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi. Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi maman nous a envoyés ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. T'as les effets de particules et tout, quoi.
chose. C'est ta hache. Et maman. Et je t'ai reconnu ta mère comme ça. Elle se dispute avec un groupe de géants. C'était qui sa femme, attends? Elle connaissait les géants? Apparemment. C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi? Et notre combat avec Baldur. Putain, ça refasse le... Ça vient juste d'arriver. Attends. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne, le maçon de pierre, tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? La musique. Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse... c'est peut-être le dernier des gens. Je lui fais confiance. Je sais pas. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens! C'est tout ce que je sais, c'était maintenant. Une info par rapport au gamin. C'est la seule chose qu'on m'avait spoilé, c'était l'info par rapport au gamin et certaines choses qui se passent après. Tout le reste autour, je sais pas. C'est presque fini. Regarde, c'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils.
dingue de la musique. Au revoir, Faye. Je t'aime, maman. Ces géants, ils ont vraiment tous disparu. Y a rien pour nous ici. Viens. Je suis. Donc, sa maman était une géante. Je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a quand même une chose que je comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient Loki. Loki. C'est ça que je savais. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Voilà. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Dernière volonté, trophée doré. Je comprends mieux maintenant. Elle voulait qu'on l'amène ici pour être. Je vais vraiment dédier la fin de. Tu crois qu'elle savait de ce jeu de la saillie, on est sur la fin, hein. Il restait peut-être une demi-heure ou un truc comme ça, mais je voulais vraiment dédier le dernier épisode pour ça. On garde le secret. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse décider. Oh. D'ailleurs, je vais bouger ma caméra pour qu'on puisse voir tous les gens qui ont travaillé sur le jeu. C'est important. Vous voyez que, en fait, ce qui est amusant, c'est que les exclusivités PlayStation, à chaque fois, sur la PS4, les génériques de fin apparaissent d'une manière magnifique. On se rappellera tous de la fin d'Horizon. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs, nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Wow, ton histoire était incroyable. Mais Mimir l'a raté. Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison. Mais je suis sûre qu'il y a encore des Valkyries qui attendent d'être libérées. Les Valkyries, on va les faire. Et d'autres personnes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons. Que ferait Atreus de Sparte? Et que ferait Loki? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Oui, je sais. Ne spoilez pas. Enfin, spoilez pas les autres, en fait. Moi, je sais. Je vous dis, je vous demande un truc dans le chat. Vous n'êtes pas fichu de le respecter. C'est ouf. Non, mais... Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un nombre de mesures excessifs et entrepris de se quereller sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs? Continuer l'exploration. Oui, libérer les dragons, rendez-vous, trouver les nouveaux objets à l'atelier. Je sais, l'emplacement de Javalkyrie corrompu a été marqué sur votre carte. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que on va d'abord terminer ce qu'il y a à faire. On va d'abord terminer ce qu'il y a à faire. Et après, on ira faire les Valkyries dans un épisode dédié. Voilà, si vous avez envie. Retournez à la merde.
Pas un hiver comme les autres. Un grand hiver qui durera 3 étés et dont la fin marquera le début du Ragnarok. Le Ragnarok, à cause de la neige. Oui, de la neige, encore de la neige, et puis la fichue fin du monde. À peu près dans cet ordre. Une autre. C'est bizarre de se dire qu'on a terminé le jeu. Non, là. Mon frère, selon la prophétie, ça n'arrive pas. Ça fait toujours un truc quand même. Au moins une centaine d'hivers. Vous avez. C'est pas pour vous, mais moi ça fait toujours un truc. Et si le ciel est pas. Je te le dis, moi, c'est Fimbulwetter. J'ai le fondement gelé. C'est le grand hiver. Arrête de dire ça. Tu me rends nerveux. Il fallait bien que tu te mettes à neiger un jour. C'est pas une question de neige, et tu le sais. C'est la fin des temps. Comme oses-tu me faire la voix de la raison? Ça va? On parlait du temps. On trouve que ça se rafraîchit. Ce qu'il veut dire, c'est que Fimbulwetter arrive, les gars. Le dernier des hivers. J'en ai le fondement gelé. Oui, on a entendu. Si vous rentrez, ne traînez pas en route. Et surtout, évitez de mourir. Et puis si vous rentrez pas, même conseil. Eh oui. Ça a bien changé. Allez. On fera les Valkyries dans un épisode dédié, puisque celui-ci durera moins d'une demi-heure, je pense, pour ce dernier épisode de God of War. Sera. C'est bien que Brock et Sindri aient réussi à surmonter leurs différences. Vraiment à l'aventure. Maintenant, ils sont deux fois plus pénibles. On va tout simplement passer dans le. Je vois quelque chose. Passer par l'accès le plus logique. Ça passe par la ravine de la fière. Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage? Passer par un portail ou pas? Ok, on va aller directement à la maison. Salut DiCaprio, merci de ton follow. On va passer directement là pour aller à la maison, ce sera plus simple. Allez, petit passage. Oh non! La tour a avalé la pierre d'unité, pas vrai? Je rêvais de voler à nouveau. Oui, c'est vraiment dommage. Bon, redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Jotunheim avant qu'on le sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Et il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui, il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends? L'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. On est enfin rentré. Ça faisait une éternité. Ça laisse à désirer, mais c'est toujours mieux que d'avoir de l'écorce dans le postérieur. Reposons-nous. Je vais dormir tout l'hiver. Bien. Ça marche. Dors.
t'ai pas attendu. Bien des années plus tard. Qu'est-ce que c'était ? Ton arc ! J'ai fait un rêve étrange. C'était la fin de Fimbulwetter. Et Thor nous attaquait. Ici, à la maison. Ce n'était qu'un rêve. On aurait dit que non. Ça semblait vrai. Comme si c'était... l'avenir. Dans ce cas, nous verrons ça demain. Pour l'heure, il nous reste des choses à faire. Et voilà. Viens. Il nous reste des choses à faire, mais... c'est la fin de ce let's play sur God of War. Si vous voulez, il y aura un épisode de plus destiné aux Valkyries, bien évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont suivi ce let's play en intégralité, en ma compagnie, en intégralité. T'as l'impression que c'est deux mots différents. Si vous avez kiffé le petit pouce, l'abonnement et bien sûr mais le partage, c'est toujours très très cool. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur Twitch avec moi en ce moment, ne bougez pas parce que nous on fait les Valkyries tout de suite. Et si vous êtes sur YouTube, l'épisode sur les Valkyries devrait sortir incessamment sous peu. Merci beaucoup et salut. Hey.